Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous nous rassemblons pour réfléchir aux profondes révélations contenues dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 4. Dans ce passage, l'apôtre Jean est transporté dans une vision céleste où il contemple la majesté et la grandeur de Dieu sur son trône. Le chapitre 4 de l'Apocalypse offre une description vivante de la salle du trône céleste, telle que vue à travers les yeux de l'apôtre Jean. Dans cette vision, Jean contemple le magnifique trône de Dieu, entouré d'un arc-en-ciel rayonnant, symbolisant la fidélité de Dieu à son alliance. Autour du trône se trouvent 24 anciens, représentant le peuple racheté de Dieu des anciens et des nouveaux testaments, vêtus de vêtements blancs signifiant la pureté et la justice. De plus, 4 êtres vivants, chacun possédant des caractéristiques distinctes telles que celles d'un lion, d'un veau, d'un homme et d'un aigle, offrent continuellement des louanges et des adorations à Dieu, reconnaissant sa sainteté et sa souveraineté. Cette vision rappelle aux croyants la nature éternelle et immuable de Dieu, qui règne en maître sur toute la création. Elle souligne l'importance de l'adorer avec révérence et crainte, reconnaissant sa gloire et sa majesté. De plus, elle transmet l'assurance que l'alliance fidèle de Dieu s'étend à son peuple, offrant réconfort et encouragement dans les moments d'épreuve et de tribulation. Dans l'ensemble, l'Apocalypse 4 nous offre un aperçu du royaume céleste, invitant les croyants à se joindre au cœur éternel d'adoration devant le trône de Dieu.